Ah, mais nèg n'a pas ligne hier. Bon gardez gardez mais Rothschild François Junior pour diable. Monsieur son vétéran lié dans métier. Kounia monsieur Kissa libéral installé comme ça comme directeur général TNH. Mais monsieur là. C'est job li. Mais il a quoi boîte matériel, c'est job li. C'est ça le fait, c'est caméraman lié, ça dit tout et matériel, mais la matériel là. Vous comprenez? Donc on pas connaît qui ça au gérant ensemble, c'est Martelit mettait monsieur là comme directeur général TNH. Mais voilà, ça il l'a installé comme directeur général. Donc depuis le sali dans la télévision, et ça qui doit là, Jovenel Moïse vini le pas à hôtel, parce que c'est Martelit mettel. Ayon Bill. Tenez bien, oui. Jovenel Moïse vinil pas kawete monsieur parce que c'est Martin Littmetel. Et c'est ça que je fais m'dou que juste pas comprendre jusqu'à présent pour enquête à mener soit assassinat Jovenel Moïse et puis c'est comme quoi Michel Martelly monsieur épargné de tout danger. Juste pas comprendre bâti ça. Parce que Jovenel côté le te cache en baban non, c'est Martelly qui mène le vin là non bay peuple là. C'est Martelly qui mène le vin là sous moun. Comment pour Jovenel mourir, Martelly graine plein, maintenant enterrement il va aller. Ça va dire rien comme citoyen. Ou même qui dit qui continue à dire vive Martelly, bon président, ça va dire rien. Ou même qui dit oh, justice pour Jovenel, ça va jamais dire rien. Ou pas, je me pose la question ça. Comment pour Michel Martelly qui dit que li pa payan yo pa ka barrel, pour Jovenel mourir assassiné dans conditions comme ça, monsieur parle en funérailles li? Ah ouais. Bah yon dit grâce mélange. On guite ça. Eh bien, c'est toi ça qui se directeur général TNH. Hier soir, son jeune ami a t'a parlé sur monsieur, etc. Moi-même, des ordres ça monsieur fait hier. Moi pensais que monsieur pas supposé lever comme directeur général TNH encore depuis jeudi à même. Parce que monsieur prouve que le pagan ken respect pour l'institution la dirige. Hein? Il pagan ken respect pour des officiels qui n'ont espace. Et plusieurs moun plaignent de gestion monsieur dans tête télévision. Hein? Et moi pense faut gen audit calmené rapide pour qu'on ait comment matériel télévision a utilisé. Et m'te dit ça hier, le wap retende wap monte dans le temps. Pour attendre télévision ça comment elle était fonctionner moun qui était là dans justement et puis pour essayer là nous tomber en vérité ça ka fait mal comme citoyen avisé et malheureusement c'est là nous tomber le directeur général de la télévision nationale d'Haïti en direct oui en direct monsieur qui a parlé là pendant que nan visite nan Antillo et puis il t'a parlé sous pays d'Haïti. Il pas politicien, ni c'est directeur général télévision nationale d'Haïti. Au lieu de parler de médias l'État, parler de comment presse la fonctionner en Haïti, mais de qui ça l'a parlé? Gamal Augustin, directeur général de la RTNH, la radio-télévision nationale de Haïti. Bonsoir Gamal Augustin. Bonsoir. Que pensez-vous de l'image de Haïti véhiculée dans les médias étrangers? Bon, je pense qu'ils sont en train de nous salir assez souvent. Et je pense que ce qu'ils disent assez souvent, ce n'est pas vrai. Et Haïti a beaucoup d'autres potentialités. Ouais. Haïti a l'avenir. Nous sommes en démocratie. De 1986 à nos jours, cette démocratie, ça a grandi. Et bien entendu, nous avons aussi des difficultés. Tout le monde a des difficultés parce que les cas de force majeure, on ne peut pas les contrôler. On a notamment parlé, et on en parle encore, 9 ans après le séisme du 12 janvier 2010, de la reconstruction pas suffisamment bien menée. Où en est-on aujourd'hui? Attendez, le président actuel de la République, M. Jovenel Moïse, a lancé ce qu'on appelle caravane du changement, qui est en train de faire des constructions partout à travers le pays. Il faut aussi noter, durant le mandat du président Michel Martelly, durant le mandat, les gens sur les tentes ont été logés. Les gens sur ils les ont tentes ont été placés dans des différents abritats, dans des différentes maisons. Tournez la quotidienne. Hein? Les gens sur les tentes, ça a été gagné? Eh ben, pas connu, hein?
Mais François Capalé, ici le directeur général de la télévision nationale d'Haïti. Son hondou, son cas, son espèce. Mais yo metel nan boule figinou là, et puis kounya ouais c'est des blouses à la fin, etc. Alors que valet cadre, valet jeune journaliste qui formé dans le pays, ça cadre potentiel qui gagne, et puis ouais c'est mon chè. Qui c'est un jeune technicien bagay qui kon prend image et qui caméra nan mel ka bouske la vie kounya mate li metel parmi tout journaliste de carrière qui est en télévision oui et puis il metel comme directeur général et puis mais comment la kakaye sou moun à travers le monde tendez non côté janvier 2010 hein? De la reconstruction suffisamment bien menée. Où en est-on aujourd'hui? Quelles sont les priorités? Le président actuel de la République, M. Jovenel Moïse, a lancé ce qu'on appelle caravane du changement, qui est en train de faire des constructions partout à travers le pays. Il faut aussi noter, durant le mandat du président... Et puis, sérieux. Durant le mandat, les gens sur les tentes ont été logés. Ils ont été placés dans des différents habitats, dans des différentes maisons payées par le gouvernement. Il y avait des deals qui ont été faits, des négociations qui ont été faites avec ces gens-là. Alors, après cette 3 millions de terres, ça prend du temps pour faire ces constructions. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Avec la caravane du changement, on a fait la ville des Cailles. On a fait presque bien fait. On a fait tout dans la côte, John. MDBS, je dis Baptiste, tout dans la côte. Avec caravane du changement, on a fait la ville des Cailles et bien fait, bien fait. Tout dans la côte, John. Dans des différents habitats, dans des différentes maisons payées par le gouvernement, il y avait des deals qui ont été faits, des négociations qui ont été faites avec ces gens-là. Alors, après ce tremblement de terre, ça... Après ce tremblement de terre, nous sommes en train de... Est-ce qu'on t'en donne un directeur général télévision nationale d'Haïti et puis qui a parlé son chaîne étranger? Vous entendez ça? Est-ce qu'on t'en dit ça? Après ce tremblement de terre, non, je ne comprends pas, monsieur. Quand il y a l'homme, le monsieur Gamay là, et vous pensez que c'est un bêtise passé. Et pas moi. Soit mon chè qui a changé bagaille, féminin, masculin, féminin, moi-même qui a changé bagaille, j'en baille, il est venu en tout. J'en baille, tombe, m'ba maman, m'ba papa, vous comprenez ça, m'dou. Et la gueule encore, ti John, pour payer, attendez, clé ça, mon chap dit. Là-dessus, avec la caravane du changement, on a fait la ville des Cailles. La ville des Cailles est presque bien fait. On a fait aussi quelques villes aux environs. Nous sommes en train de travailler sur Port-au-Prince. Nous sommes en train de travailler et de faire ce qu'on peut faire le plus vite que possible pour donner une meilleure vie à la population haïtienne. Et si... Eh bien, mon chéri, il part en différence entre vue et vie. Tout le monde n'est pas mélangé. Tout le monde n'est pas mélangé. Non, mais nous, directeur qui a parlé, on va pas. Watchil, bon, n'existe de quoi Watchil. Quand il a sorti tête Rothschild lorsque Roth a installé Nomza là comme directeur général police là. Bon me dit police, passe me là. Qui sorti tête ou Rothschild François Junior? Et vient nèg nous lié oui. Qui sorti tête ou lorsque on attendait directeur général ou sorti tête ou t'a installé comme DG. Sorti tête ou on ex 18 ans coup point 8 ans coup Rothschild. Ah mon cher. Bon bah mon dieu dans la ria où honte là. Où honte là Rothschild. Tout dans la quartier John Moubey attendez. De travailler de faire ce qu'on peut faire le plus vite que possible pour donner une meilleure vie à la population haïtienne. Et si une telle catastrophe devait se reproduire, est-ce que Haïti dans ce changement s'y prépare? Oui, on s'y prépare, on a OPC, l'Office de protection et qui est là pour protéger les citoyens en cas de désastre et qui est là aussi pour les secourir. On a parlé d'un séisme en octobre dernier où il y a quand même eu beaucoup de morts, avec une intensité beaucoup moins forte. C'était à Port-de-Paix, il y a eu seulement que 3 morts. Là. Non. Tout n'est ça encore. Monsieur confond OPC, travail OPC, avec section et protection civile. C'est deux bagages différents. Il y a OPC et puis il y a PC, protection civile, qui est différent de protection des citoyens. Comme quoi, c'est comment mon cher, il y a Edouville qui a dirigé ça. Eh bien, mon cher Mélanger, monsieur Mélanger, bagayo, il y a direction protection civile et puis OPC qui c'est on l'autre bagay. On voit qui ça paye à tomber. Rete. Rete. Parce que direction protection civile, li pa gagne pour OPC. C'est deux bagages différents. Eh bien, nous pas de connaître. Même addition directeur TNH, oui. On ne connaît Gary Koni pas là.
Monsieur va contre bail ça yo. Vous comprenez? Ça dit faut nous dire gardons nèg yo met directeur général monsieur son honte pour la presse haïtienne, son honte pour pays. D'ailleurs son catastrophe pour TNH. Bon exemple. Tendez ça. Côté tu vois ça. Côté tu vois ça. Journaliste TNH oui. Gama il a il pas arrêté dans TNH parce que gama bon, il pas besoin monde qui bon. TNH oui, produit TNH. Kounya pour y attendre directeur général li là. Nous sommes en catastrophe. Nous, où est Nexa? Bon, gardons, et ça te faut, ouais, yé, là, m'dou, Michel, bah, écoute, micro, ça, parce que Nexa, il va arrêter là. Il va arrêter là. C'est une catastrophe. Tout le monde, quand il y a un peu, il attendait. Et Nexa, si pensait mal, m'a parlé, archiviola, m'a pas parlé, Nexa, mal, moi-même. Tout le monde, encore. Et là, pour protéger les citoyens en cas de désastre, et qui est là aussi pour les secourir. On a parlé d'un séisme en octobre dernier où il y a quand même. Non, tout n'est là encore, Tidjon. Ou précis, c'est OPC, a besoin qu'on s'en vle, dit, m'bat qu'on est. Nous sommes en train de travailler sur Port-au-Prince. Nous sommes en train de travailler et de faire ce qu'on peut faire le plus vite que possible pour donner une meilleure vie à la population. Et si une telle catastrophe devait se reproduire, est-ce que Haïti, dans ce changement, s'y prépare? On s'y prépare, on a OPC. OPC? L'Office de protection. Qui est là pour protéger les citoyens de désastre. En cas de désastre pour les secourir. On a parlé d'un séisme en octobre dernier où il y a quand même eu beaucoup de morts, avec une intensité beaucoup moins forte. C'était à Port-au-Prince, il y a eu seulement trois morts. On a perdu quelques immeubles, mais nous sommes en train de travailler là-dessus en ce moment. Vous êtes en Guyane dans le cadre d'un projet de coopération entre la RTNH et ça va d'où? Bon, qui ça en directeur général TNH gen pou la loi dans détail ça ou la bay là. Ça c'est le travail peut-être directeur général ministère de l'intérieur et moun ki nan direction environnement etc. Nèg yo dépassé limite, yo pa kon limite yo sans dimension, sans protocole, sans capacité, sans formation aucune et puis c'est yo même yo mette chef sous tête. Bon, comment pays comme ça ka marcher? Non, c'est là la corruption a commencé oui. Comment pays comme ça ka marcher? Monsieur, m'nan de gwen nou pou bon tande. M'konnen pa vle wèm deja. Ki mele ma ave nou? L'Éternel a secourim. Ça veut dire que, comment pour un pays, pour nous prendre qualité zagribay, ça ou mette là dans le comme chef, et puis une pensée le ka marche. Comment nous prenons le marché là? Bon, koun ya, pour Frank Etienne a tande m'kap passe ça là. Frank pap dorma sera, non papa? Frank pap dormi. Frank, c'est premier ministre communication pays yande gen. Frank Etienne? Il va dormir là, madame, ni? Il va dormir. Parce que pour Frank Etienne, premier ministre communication, pays a te gagné, pour l'attendre de nom ça dans TNH. Oh, catastrophe, mon cher. Non, c'est une catastrophe. La gueule, non, Tidjon. L'objectif étant de partager des reportages, des images, des informations. Sur vos antennes, est-ce que vous vous êtes déjà intéressé à la réalité de la diaspora haïtienne qui vit en Guyane? Définitivement, c'est la raison pour laquelle que j'ai été invité ici par votre directeur général et j'en profite pour lui dire merci. Parce que c'est grâce à lui qui a entamé ses négociations avec moi. Il était venu en Haïti et il m'en a parlé. Et que dites-vous de cette diaspora sur vos antennes? On en parle assez souvent et on communique avec eux. Et c'est la raison pour laquelle on est venu signer des accords, on prépare des accords avec vous, bien entendu. Mais très sérieux, parce qu'on a pour la bien passer là. On a près de 40 000 Haïtiens sur votre territoire. Donc on doit les servir, on doit accompagner cette diaspora. Bon, bien que j'adore pas le mot diaspora, je préfère dire les Haïtiens vivant à l'étranger. La RTNH est un média d'État et c'est indiqué sans ambiguïté sur votre site internet. C'est un organe de diffusion de la pensée établie par l'État. Est-ce qu'il y a média même... d'État et de service public. Est-ce qu'il y a tout de même de la place pour la critique, l'opposition sur vos antennes? Définitivement. De quelle façon? Il participe à nos émissions de téléjournaux. Il participe aussi à des différentes émissions qu'on organise pour eux. Tenez ça en quotidien. Kounia, bon, moi, j'ai une question. Pour y avoir été Pradel Henriques, qui était directeur général à l'époque, dès que vous devinez le ministre, quand même, vous mettez grade de pire. Mais pour y avoir été Pradel Henriques, BS te la, yo shooté de BS, dernier Sylvain, dernier Sylvain, animateur, en pile moulin, pour yo wete BS, et puis son madichon comme ça, on vient de mettre dans ta TNH, et pour dim neg sa, on remet pays, y a travail pour Haïti, etc., yo quoi dans le changement? Tiens,
Quittez-le, non, quittez-le marché, Tidjon, pour télé, des émissions, c'est pas un problème, non? Quittez-le où il est. Place pour la critique, l'opposition sur vos antennes. Définitivement. De quelle façon? Il participe à nos émissions de télévision. Il participe aussi à des différentes émissions qu'on organise pour eux. Et comment je peux dire, l'opposition haïtienne actuellement est en pour parler avec le gouvernement. Parce qu'on vit tous en Haïti, on doit pouvoir vivre ensemble. On doit pouvoir négocier, on doit pouvoir se parler pour le mieux d'être du pays. Fin novembre, le mieux d'être du pays. Manifester contre le président Jovenel Moïse. L'été. Comment est-ce que la RTNH a traité, a géré cette crise? On a accompagné la population. Parce qu'avant tout, nous sommes des détenteurs d'archives. On doit faire ces images pour l'avenir. On a accompagné la population. On a aussi accompagné le gouvernement. Le gouvernement avait beaucoup de choses à dire. Il y a eu des conférences de presse pour expliquer les décisions qui ont été prises par le président. Le président a retourné sur certaines de ses décisions. On a quand même accompagné la population durant le mois de novembre, durant tous ces événements. Depuis 1986 aussi, on a eu beaucoup de problèmes. Mais la TNH agit actuellement de 40 ans. Oui. Et c'est 40 ans de mœurs de cette population, c'est 40 ans de défauts, c'est 40 ans d'habitude, c'est 40 ans de culture. Si on le fait. Merci beaucoup, Gamal Augustin, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Non, nous finis, oui. Merci en pile. Merci, Gamal Augustin. Corruption. Pas de problème, non? Politicien. C'est la vie là, corruption en temps, mais oui. Corruption n'a pas dénoncé assez, là, le commencé, oui. Qu'on y a qualité l'école qui a formé jeunes journalistes dans le pays, ça. Pour attendre une catastrophe comme ça qu'a parlé comme directeur général télévision nationale d'Haïti. Monsieur, son catastrophe, les gars. Gamayel est un cas. Autant de ça pour. Apôtre Amélito, autant de ça. Gamayel est un cas. Et quand le cas est très délicat, c'est un délicat cas. Le cas de Gamayela, c'est un délicat cas. Mais bien sûr, il est un cas. Et quand le cas est très délicat, c'est un délicat cas. Le cas est complexe et compliqué pour comprendre ça. En tout cas, on quitte ça, on fait un coup de tête dans Saint-Louis du Sud, je ne dis à Roncel, on a le fond y parler à Maître Gardi Léger depuis Saint-Louis du Sud, qui lui-même toujours prend responsabilité comme citoyen avisé, comme citoyen engagé pour le dénoncer ce qui a passé là, et ne songer bataille que nous menait pour te faciliter un gros bateau te, justement, eh bien, accosté dans le poids et puis déchargé. On a regardé ça avec Maître Gardi Léger. Confrère, comment nous y est? Bonsoir et bienvenue. Comment nous y est depuis Saint-Louis du Sud? Bonsoir Tété, pas saluer tous tes auditeurs qui causent, pas saluer le monde entier. Nous avons une émission, ça pas seulement pour nous-mêmes les Haïtiens, mais c'est une émission mondiale. Oui. Donc c'est un plaisir pour nous là, après-midi, pour nous faire parler du port international du Sud, encore après 26 ans, encore dans l'attente. Donc, c'est un plaisir pour nous intervenir à soir dans l'émission ça. Donc, nous espérons que n'a pas dit qu'il choisit pour la République. Correct. Et a regardé ça, et bien que nous souhaitions que la communication passe correct, mais s'il va passer dans l'essai, font l'autre contact. Mais entre-temps, oui, vous entendez? Oui, m'attendez 7 sur 7. Yes. Entre-temps, dis-nous non, ça a passé parce que l'image m'a regardé là, moi que... C'est un port qui, pour moi-même, qui tout bagaille correct là-dedans. Qui ça qui passait exactement dans port Saint-Louis du Sud, là? Par la pays, dis-nous qui ça va aller. En essayant la photo. Gardi, si vous remarquez, téléphone n'a pas essayé de sonner, prends-le parce que son n'est pas bon, on a essayé de faire l'autre contact. Parce que, faut nous passer clair, ça, monsieur Abdi, est extrêmement important pour pays y attendre. Faut nous regarder justement qui ça bagaille en essayant ouais signe d'argent monsieur direct sous téléphone non sous l'autre numéro non pour nous regarder qui ça bagaille directement avec Maître Gardi Léger depuis Saint-Louis du Sud en Algadé l'idée soulignant d'essayer de faire contact là rapidement parce que ça est extrêmement important pour pays a une idée sous port ça port international du Sud. Pour moi-même, c'est un port qui est déjà disponible pour ta recevoir en série de bagages sans problème, mais pour pas fonctionner. Allô? Oui, voilà. Yes, voilà. Là, qu'on y a passé. Correct, mon cher. Parle avec nous. Ça qui passait, qui ça qui empêchait
fonctionnement Port Saint-Louis du Sud là. Merci, c'était même Jean d'Abdelan, donc nous excusez la population en tout, c'est plus compliment, donc ça veut dire que c'est question de la concentration ou encore l'oligarchie de Port-au-Prince et le petit groupe qui monopolise l'économie du pays, donc qui n'est pas vrai que les ressources pays à partager avec les sections communales, avec les différentes communes, qui empêchent le port du Sud-Dali opérationnel et fonctionnel. Donc, nous sommes capables de dire pour le monde qui n'est pas contre le port, hein, donc, c'est un port qui est à 99.99.9% fini. Ça ne peut pas dire à 100% fini parce qu'il ne reste que les 9 km de route. Oui, il y a le port du Sud et la route nationale numéro 2 qui ne peut pas dire à 100%. Toutes les infrastructures de base sont là. Il y a un bureau pour Semana, il y a un bureau pour CADCODE, il y a un bureau pour BLTS, il y a un bureau pour APN. Mais le petit groupe de Port-au-Prince qui sent qu'il est à l'aise dans la concentration qui empêche que le pays en lui-même fonctionne. Je dis, nous n'avons qu'à foutre côté qu'il a dit le premier ministre, le nouveau premier ministre, Larry Kony, qui, dans le premier mot, dans sa première intervention, qui a dit que les communes sont posées en mesure pour gérer des tours avec sa gouvernance. Donc, et nous pensons que je dis, nous n'avons pas de capable de dire, n'a pas de pouvoir une fin de passer de la parole aux actes. Donc, pour que le port du Sud lui-même soit opérationnel, parce que ce n'est pas normal. Je dis, là, si on a besoin d'un crayon à celle du Sud, c'est pas trop presque pour la laisser. Si on a besoin d'un crayon ou bien un rayon bicyclette, c'est à celle du Sud. À nous garder pendant le brigandage qui a gagné sous présidence Ariel Henry, on dit que. Paysan de quand dit dans son entier était bloqué, ok? Mais avec le port du Sud, le qui est capable de faire, il y a une certaine amélioration qui est capable de bien, il y a une série de conséquences nous-mêmes au niveau du Grand Sud qui nous pas capable. Les enfants aujourd'hui, avec l'arrivée du docteur Gary Kony, eh ben nous-mêmes nous continuons la bataille pour que le port du Sud nous-mêmes soit capable opérationnel, parce que c'est pas possible pour que un sac ciment pour caille un sac ciment Port-au-Prince acheter 3 sacs ciment au CAI. Ce n'est pas possible. OK. Un crayon Port-au-Prince acheter un boîte crayon au CAI. Ce n'est pas possible. Je dis à nous-mêmes en tant que jeunes, nous lançons la bataille là. La bataille pour que le port du Sud-Gali opérationnel, pour le port du Sud-Gali fonctionnel. Et nous croyons que c'est une bataille qui a pour profit du gouvernement du Sud ou bien encore de la région du Grand Sud. Donc, c'est ça qui fait ça nous-mêmes. Nous lançons la bataille là pour que. Nous rendons le port du Sud-Gali opérationnel. Donc là, je pense que c'est vraiment intéressant et c'est Gardi Léger qui sous écran qui a parlé là avec plusieurs monde qui fait partie de l'organisation ça, groupe haïtien ça qui décidé pour plaider cause Port Saint-Louis du Sud là, ils ont estimé et j'en ai regardé là sous écran image ça, vous voulez dire que toutes conditions censées réunies pour port là ta fonctionnel, mais malheureusement, blocage là, c'est que gagne un petit groupe. Ah, oui, c'est groupe ça yo dans Port-au-Prince qui toujours pensait que tout bien pays a c'est pour yo. Donc si pour ouvrir dans le sud, ça va l'empêcher ou continuer à brasser millions sous dos peuple là, ça vient faire que yo même yo mettez en yo campe en quoi pour port aller pas rouvrir. Donc message là, je pense que li clair. Si gagne un mot ou ta vle justement rappeler société a et les autorités qui la, c'est qui salta pied Gardi Léger. Bon, ça la rappeler pour le ministre, ainsi que le ministre innocent, et pour nous dire que je dis à yon face au tribunal de l'histoire, même si pour le ministre la intervention, il dit que l'el pral, l'el qui fait noir, c'est le sal pral joue, c'est le sal pral gagne clarté au niveau du pays. Mais nous-mêmes au niveau du Grand Sud, en tant que jeune, et malgré que les conditions ont été difficiles, là, du monde dans le sud, monde dans le sud, même si nous avons pris le fait noir, même si nous avons pris le fait noir, c'est jour le bras le jour. Pour du sud, là, après 26 ans, après 27 ans, nous croyons que le moment, l'arrivée qui est pour lui opérationnel, pour que les jeunes, ils ne pas prennent un revolver, pour qu'ils ne prennent pas des territoires perdus, pour qu'ils aient des jeunes qui livrent nous aux affaires. Pour qu'il y ait des jeunes qui vivent à l'entrepreneuriat, pour qu'ils aient avancé, pour qu'on soit capable de venir dans le sud sans aucun problème. Là, du premier ministre, il passe au tribunal de l'histoire.
Jodi an li capable garder après malaise que le gagnant comme la République qui campé avec. Mais jodi an même j'en dis ces communes supposé capable en mesure de gérer cette chose et même j'en la demande pour le ministre Gary Conny pour lui faire tout ça qui possible de lui-même pour qu'il rende port du Sud d'Ali opérationnel. Ministre Finance, madame Kitlen, ministre Commerce. Donc pour lui faire tout ça possible lui-même pour que port du Sud d'Ali même opérationnel. La demande que les bras forts du Sud, monde qui dans politique dans le Sud, puis on va nous coûter. Mais nous bourrat, bien que nous connaît capable de travail dès que nous pas coûter nous pour nous éviter de capable de politiser bataille qui n'a fait mais tout le monde connaît. Donc, qu'est-ce que ça a fait? La demande est intervenir pour aider nous avec port du Sud, parce que c'est pas possible. C'est pas possible dans le moment ça, pour que nous gagnions un port après 26 ans, paysans ou baïtères, paysans ou baïtères, tout ça possible pour que nous rendions un port là, c'est opérationnel. Nous avons un port qui est en sécurité, un port qui est capable de servir tout, qui est capable de le Grand Sud, qui est capable de sortir un peu partout, qui est capable de coster, qui est capable de dire même le pays, parce que nous sommes à quelque part de Caraïbes, nous sommes situés à la mer la plus profonde de la Caraïbe, la mer de celle du Sud, la mer de Berdinel. C'est ça que nous demandé au Premier ministre, Gary Conny. Donc, en tant que patriote, vous faites tout ça possible pour que l'Iran porte du Sud d'Ali opérationnel, parce que ce n'est pas possible. Après 26 ans, un projet comme ça, il va pas réaliser. Nouveau ministre de BTC, nous demandé de prendre les dispositions et les mesures qui s'imposent pour que les 9 km de route qui relient pour Abrio permettent pour aller même l'opérationnel. Le ministre de l'Intérieur a demandé pour l'accorder nous une année ou bien deux années moratoire, c'est-à-dire pour permettre à ce que baisser les tarifs douaniers pour que des bateaux capables d'accoster pour Saint-Louis du Sud, pour du Sud, pour capables bien plus d'échanges avec les communautés internationales. La communauté haïtienne, quand elle est la diaspora qui a des affaires, demande au plus que regrouper ainsi que les commerçants du Sud, les commerçants du Grand Sud, pour regrouper pour être capable de faire bateau accoster au port international du Sud et population nous là. N'a pas de quel que soit bateau qui vient là et débarquer normalement sur le port international du Sud. Merci, Félix, pour passer au toujours pour aider ou même des défenseurs de la population haïtienne, des défenseurs du peuple. Et que là, nous connaîtrons là, pas facile, mais récompense, c'est pas sauté à lui. Merci Frem, Kebela, merci infiniment Kebela. Eh bien, nous tenons Saint-Louis du Sud. Rapidement, on va aller, j'en t'ai annoncé, dans le pays d'Haïti, à Port-au-Prince, avec nouveau mini-justice là, qui c'est Carlos Hercule. Normalement, qui ça t'a qu'à reprocher Carlos Hercule? Je n'ai pas gagné trop de bagaille sur ça. Jusqu'à présent, puis le monde connaît Carlos, son belle tête. Mais c'est pas toujours belle tête là qui bail résultat, malheureusement. Mais nous avons souhaité ça parce que nous avons attendu qu'il a installé quelques ministres. Moi, il mettait accent justement sur collaboration entre employés et résultat société a. Eh bien, comptez sur eux à attendre. Maintenant, mais Carlos c'est que sous pas connaît monsieur. Ouais là, monsieur acteur, je l'ai souli. Au bras loin dans l'image ça, et merci à toute l'équipe de Kiskeya qui t'a fait tirer au reportage ça, parce que m'bral fait nous comprendre en réalité. Réalité en c'est que Carlos Hercule, dans la période ça, l'étape dénoncer justement politique qu'a fait là, équipe tête calée, gagote, brassé, qui a fait là des chevillers, je l'ai dénoncé à l'époque. Et non seulement monsieur t'a dénoncé dérive sa yo, et monsieur t'a justement dit faut gen action qui posait contre yo. C'est de la société. Et c'est ça qui fait me penser que nous supposer nous-mêmes comme citoyens avisés rappeler nèg yo sa yo te dit et comme jodi a on en poste de responsabilité. Parce que Carlos Hercule qui t'a plaint, qui t'a dit que li préoccupé par situation détérioration politique dans le pays d'Haïti, jodi a li nan poste pour le prendre des décisions au niveau de la justice. Nous pral tann Carlos Hercule, peut-être monsieur pas de compte si ti archives a été là,
Il oublie ça. Bon, qu'on est nous tu as checké. Eh bien, bon moi non là. Qu'est-ce qu'il y a? Ou a gen gros tête chargé devant détérioration climat politique là. Li kwè peyi a pa loin yon catastrophe politique, surtout avec dossier mis en accusation chef l'État, premier ministre là ak ministre justice là pour responsabilité yo ta gagné dans la mort juge Jean-Serge Joseph là. Batonye a encouragé tout secteur mette tête yo ensemble, même Jean ak zan set yo, pour peyi a ka bien célébrer 210e anniversaire indépendance peyi a 1er janvier 2014. Met Carlos Hercule. Mesdames, Messieurs, le barreau de Port-au-Prince est profondément préoccupé par le climat politique. Vous admettez avec moi que l'instabilité est le dernier choix d'un avocat, à moins de choisir la retraite anticipée ou le chômage. Bâtonnier ou avocat ou citoyen, on m'entendra toujours, à chaque dérive, à chaque violation de la loi, à chaque velléité de remettre en cause les fondements de la nation. Je présente mes sympathies au substitut commissaire du gouvernement, maître Gérard Pierre, du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, et au journaliste de Radio Kistéa, Rodrigue Lalanne, victime de brutalité policière, et demande à la justice de faire son travail dans le respect des droits des agresseurs à un procès équitable. Haïti vit depuis quelque temps le spectre du renvoi du Parlement au deuxième lundi de janvier 2014. Et en réponse, deux rapports recommandent dans les enquêtes parlementaires ouvertes sur la mort suspecte du juge Jean-Serge Joseph la mise en accusation du président de la République, du premier ministre et du ministre de la Justice. Nous sommes donc à la veille d'une catastrophe, d'un séisme politique. Mais que nous pouvons éviter, que nous devons éviter. Claire. Je refuse de croire que la position extrémiste soit ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Je suis convaincu, monsieur le président de la République, il y a moins de mal à prolonger un mandat parlementaire de quelques mois que de diriger en absence du pouvoir législatif, organe de contrôle des actes de l'exécutif dont la seule présence est un gage de stabilité et un équilibre des trois pouvoirs de l'État. À moins d'être le pharisien qui clame « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme ces hommes qui sont rapaces, injustes, corrompus, adultère ou comme ce public. Je jeûne deux fois par semaine et je paie régulièrement la dîme. Nous devons, à l'instar du publicain, ne pas lever les yeux vers le ciel, mais de dire au Seigneur, aie pitié de nous qui sommes pécheurs. Aujourd'hui, personne ne peut lancer la première pierre. Mesdames, Messieurs, les autorités législatives et gouvernementales, l'arrêt de la Cour suprême de la République dominicaine nous montre une fois de plus l'urgente nécessité d'unir nos voix, de mettre ensemble toutes nos énergies afin de dire non à l'inacceptable. Claire. Je vous convie donc au dépassement de soi. Je vous invite à réitérer le geste salvateur de l'union des anciens et des nouveaux libres pour célébrer de la concorde le 1er janvier 2014, première décennie de notre bicentenaire de l'indépendance. J'ai noté souligné avant, président de branche parlement, pas de présent à l'occasion de réouverture tribunal. Simon de Soldera pour Sénat, avec Jean-Tolbert Alexis pour Chambre députée, ça qui montrait Jean Division yo grave jeudi en trois pouvoirs l'État. Pour une autre raison, doyen tribunal civil capital là, maître Jean-Michel Théabsanto. Magistrat qui gen gros accusation grave sous dol pour disparition suspect juge Jean-Serge Joseph là, ta gen difficulté face à collègue Lio qui t'a contesté en bas d'après nouvelle nous apprendre. Merci, Rina. Yon l'autre pas, mette Hercule fait qu'on est, Bao a gen gros tête chargé devant détérioration climat politique. Non, merci, merci infiniment. Merci à toute l'équipe. Ok, mette Carlos Hercule, monsieur, qu'on oublie, t'y archive ça. Mais nous retournons avec le bout, pour qu'à songer. Parce que généralement, l'ordre au terrain où est tout fly, mais si fait. On dit, oui, la côté Cristiano Bafoubol, l'ex-Abaron Jouboul. Parce qu'on passe au terrain.
Mais là, on met tout sous terre, hein, pour rendre compte, mais mon ballon va pas bloquer. Tenez bien, ça dit, l'on passe sous terre, aux haïtiens surtout. Ils ont toutes ces expériences en football. Oh, nek sa crétin, gale kote le raton gol, gale kote le pa fè gol, oh ceci, son faux neuf, son faux dix, gros débat. Pren nek sa, mette le souterrain, mais gros se vent li. Mais mon ti kouri le baka fè. Eh bien, réalité a c'est ça. Le sa, bien sûr, c'est avocat kap pale, c'est batonia kap pale, ou te oué tout manquement yo, au niveau de la justice. Jodi a ou gen possibilité 10 l'année plus tard pour venir pour occuper justement yon gros poste de responsabilité qui c'est le ministère de la justice et de la sécurité publique. Attention, et ça fait me dit tout à l'heure, quel que soit directeur général qui vient là, attendez. Quel que soit directeur général qui vient remplacer France LB là. Bon, même s'il était France LB, mais vous pas qu'à kembe monsieur là. Monsieur décrié trop, monsieur Doulidou remplacer. Bon, même s'il était France LB. Quel que soit ça pour fête là, fok chef CSPN qui sous écran Gary Conille. Fok Carlos Hercule qui sous parler là. Comme mini justice. Yon d'accord collaborer. Parce que Ariel Henry s'est passé trois années là, pas jamais même gagné une tentative d'opération qui menait côté gang yon a piafé dans le pays. Le puissant chef de gang, Poul Boucanin, Jimmy Cherizier, alias Poul Boucanin, barbecue. Monsieur a humilié encore une fois les policiers. Monsieur a passé la police dans bêtise. Cependant, monsieur font sorti, li montre que li panique. S'il panique, et yon nan intervention monsieur fait, que peut-être en pile l'an ou de tende, ou bien ouais. Monsieur dit Gary Conille, ou pas nan nek gon ba nou zab nan ghetto yo, pou yipe nek politique, kabin dou fè si fè sa. M'bien content de dire ça. Donc si Gary Conille pa kon, li pa machan zab, yon ba zab, que l'assume responsabilité. Parce que pi gwo défi bien là, c'est rétablir la paix dans le pays d'Haïti. Puis gros défi qui devant nous là, justement, c'est rétablir l'ordre dans le pays d'Haïti. C'est ça là, non? Ça qui a passé Solino là, Delma 24, c'est inacceptable. Eh bien, ou gon responsabilité comme chef CSPN, ou non, pas là, faut te expliquer tout bagay sa yo, CSPN, vous l'avez dit, Conseil supérieur police nationale. C'est-à-dire, quelle que soit réunion, chita parle, etc., ou ap la ou ap présent. Donc, si ou ap la ou ap présent, que ou assume responsabilité. Nous clés ou ça. Ça veut dire, quelle que soit décision qu'a prend, ou supposé au courant. Parce que yon nan baga ou besoin qu'on est. Une première raison de faire pas jamais une opération en Haïti qui menait dans fief bandio, c'est décision politique. C'est volonté politique qui pas jamais gagné. Mais gars Mal Augustin oui là, il est branché col là, il pense qu'il a conduit comme DG. Mais monsieur a collé là, mais là, mais gars Mal, il a campé là, oui, il pense qu'il a non mais il a quitté là. Attendez, oui. C'est-à-dire, une bagaille qu'on besoin qu'on ait, quel que soit directeur général qui vient là. Si premier ministre là pas accompagné, si le ministre de la justice pas accompagné, si le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur yo pas accompagné, li pa ka ba résultat escompté. Comme chef d'un criminel, terroriste, assassin, Poul Boucanin indique Gary Conille pa yon nan ki konn ba yo zam non, eh bien Gary Conille puisque va konn ba zam ou pa gen zam à protéger. Dégage ou pren responsabilité. D'ailleurs, dans petit parlo fait avec les médias aujourd'hui, mais ça te dit, Fandou son jet y a chiffre ça. Comment on a pas agi? Comment on a pas agi? J'ai l'impression que Gary va finir à sa bouche en santé. On va commencer? On va commencer. Ici ou bien? Tu veux commencer quoi?
il va connaître, il était annoncé en point de presse. Après la rencontre, c'était ça. Oui, il était une question, il t'a annoncé des bagages pour une presse, t'as semblé pas beaucoup. Je vais vous dire, je vais vous dire. La situation où je voulais vous demander un peu de patience et d'indulgence. Oui, patience, mais ne pas qu'attendre. Conversation continue, communication à travers la population. C'est essentiel, lié. Mais un peu de patience pour vous garder mieux organisé. Jeune homme. Et je vous promets, nous avons participé déjà pour qu'en temps réel, nous pouvons faire ça. En fait, il ne faut pas faire tout. Comment Gary parle pas comme ça? Monsieur t'en connaît qui manque fait bon vie rêve. Je ne comprends pas Gary. Monsieur pas on est qui en bon sens en 100%, non? Réunion, tout acteur qui est impliqué dans la réponse de la crise contre le cyclone. Parce que nous connaissons ce cyclone qui a annoncé excessivement sévère. Avec une série de cyclones prévus. Donc généralement, nous reconnaissons, le conseil présidentiel l'a fait reconnaître. Est-ce que nous parlons pour répondre à une urgence cyclone? S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout bas en place pour nous répondre à besoin de population en urgence? C'était sa question. Et la direction des CPJ pour rencontrer nous, expliquer nous mes plans, mes stratégies, mes approches, mes besoins, mes salariés. Dans le pays, ça ne va pas. On va parler, il faut voir avec vos garçons, on va pas. Directement. Et on va préciser pas seulement nous. Là, c'est tout acteur qui est impliqué dans la coordination urgence. Donc, il y a une communauté internationale là, qui est là, qui est là jusqu'à présent. Il y a tout l'autre ministère, toute l'autre entité d'État qui est impliquée dans les constats, le ministère de la Santé publique et autres, pour nous assurer que nous allons protéger la population en cas d'urgence. En cas d'urgence? C'est un peu ce que c'est. L'environnement est très important également. Mais journaliste, et bien, ils ont pile parole, ça va poser des questions. Les élections sont prioritaires pour le gouvernement, mais l'éducation relative à l'environnement, c'est très, très, très important parce qu'on fait face à un pays très, très vulnérable. Ouais. Et Haïti doit répondre quand même à, d'ici 2030 aux questions de développement durable. Où en est-on? Je sais que c'est une transition, mais quand même, cette transition doit faire place au prochain gouvernement qui sera élu et les gouvernements seront responsables. C'est la question. Parce que depuis 2015, les Nations Unies ont pris l'initiative de faire de la promotion pour la protection de l'environnement, le développement durable, et Haïti avait signé cette convention. Ces États qu'elle va endosser ont 9 à 11 ODD. Jusqu'à présent, où en est-on? L'insalubrité, franchement, PM, je pense que vous devez faire quelque chose. Oui. Je vous remercie. Il y a la pollution de l'air qui suit en Haïti. Je suis une journaliste écologique. Non, ouais, ça. C'est vraiment cœur, mais je pense que les gouvernements, c'est pas un gouvernement, les gouvernements doivent accentuer sur la protection de l'environnement. Particulièrement pour un pays comme nous. Justement, on est très vulnérable. Comme tu disais, comme nous connaissons, il y a un installé gouvernement. Je sais. C'est travail sous feuille de route. Évidemment, nous avons un ensemble de priorités qui fait partie de l'accord. Trois ans viennent là, qui a une idée, ça nous doit faire. Évidemment, un pays qui est tout bas et urgence. On a essayé autant que possible d'assurer que les questions comme pour l'environnement sont traitées de tous côtés. Mm-hmm. Parce qu'il y a des implications de tous côtés. Effectivement, on a entièrement raison qu'à penser à parler de sécurité. Pas quoi que nous contrôlons cet environnement là-dedans, c'est pas vrai. Donc, voici autant de choses que nous avons ensemble. Mais le point que tu fais, qui est un point important, et merci au Bouli, c'est expliquer mon mieux sa CODDA, les objectifs de développement durable, expliquer comment nous engager pour améliorer la situation, la population, et son engagement que nous prenons global, c'est très important. Pour justement, nous ne sommes pas seulement garder l'urgence, mais nous avons une vision tout sur l'avenir. Son engagement que nous tous nous dépendons que d'ici 20 ans, une série de bails, la fête, l'éducation, la santé, l'environnement, la loi, la protection, etc. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu ça, c'est de ça que. Merci. Donc, nous souhaitons justement, parce que là, c'est pas comme si continuer à parler pour parler, mais c'est parler, c'est action de besoin. OK? Donc, c'est action de besoin pour nous connaître qui ça, justement, qui pourra le faire. Mais on a essayé de garder pour nous voir comment le pays après le fonctionner. On finit là dans la grandance parce que j'aime te annoncer lui. La police dans la grandance pas décidé de dormir. Et ou pas décidé by aucun bandit comme si zone nan pour venir faire un territoire perdu. Contrairement à Jean-Madame, nan te dit ça. Il y
Et madame ça, ils vont encore être blous saldel. Mais question bas ULCC, c'est fake, il pas vérifié. Nous t'es constat, nous t'es guet en fait contact pour nous garder. Est-ce que bah là, est-ce que le vérifier? Non. Jusqu'à présent, c'est faux. Ça a noté ouais, notre cap circulé, dit c'est ULCC, etc. Donc ULCC, c'est pas une incision des ordres. Gédé notre l'air sorti, gon Jean au fait les gon responsable communication, gon porte-parole, donc généralement qui communique avec la presse. Donc pas tout bail que nous on tombé bouillir sur réseau yo et puis nous tombé faire la partie marché, pas un problème. Donc la police dans grand danse, songe yem dit nous yo arrêté mouché de ces kazek l'autre bois. Eh ben monsieur son aigle là prendre un gros courri parce que SDPJ continue cuisiner résumé bandi ou arrêté, hein? Monsieur ba en pile information concernant Kazek là. Eh bien, je vous dis encore, la police décide de nettoyer département. Il a demandé population faut qu'il collabore. Même gens m'a demandé population dans Montagne Noire. Montagne Noire à Pétionville. M'a demandé nous pour nous collaborer. Parce que information m'gagne. Il y a quelques mauvais jets qui voulaient altablir Bazio en l'air. Hein, parce que, pas longtemps là, il y a quelques côtés qui ont plaigné, il y a un kidnapping domestique qui t'a réalisé en l'air, descendre depuis sous 15 coffres, traverser Fort Jacques Fermat pour descendre Thomas Saint-Rivé-Jouk dans Montagne Noire. Il y a un petit pas la banpile à terre plein. Donc, moi-même, je connais un inspecteur en l'air, monsieur de Bilguin, petit bagaille dans mail, monsieur pas dans Green Dag Vagabond. Et c'est monsieur qui te mette pied là à terre pour te aider à combattre, petit macaque. Je vais oublier, non, monsieur. Comment le l'inspecteur cadet? Eh, monsieur, pas lâche toi pas. Monsieur pas nèg qui lâche toi, frère. T'as dit, ça nèg ça a besoin de promotion. Même de bien nèg qui travaille, qui met pied là à terre. C'est nèg ça a besoin de police là. Tendez, non. Ouais, m'a dit moun Montagne Noire. Attention. Et puis sou pa nan siti re, collaborer avec la police. Parce que zafè ti nèg ki vin la ki pense tout côté ka gen gang yo pou yo fonctionner a, pa gen bagay comme ça. OK? Et si nou pa collaborer, ça ka pi grave. Et si nou dale bon matin tout nou dajwenn kèk ti nèg ki tombe a terre pa kouy plein. Parce que gen pile bagay ka plein a terre la ka parler. Que la police assume responsabilité, donc ça c'est justement qui ça va là. OK. Donc il y a des vieux bagages qui circulent sur réseau là, vieux bagages évalués, notre ULCCA, c'est pas vrai. Et puis faut gagner bon sens. Nous ouais pas nèg, ba africain, ba gars qui passer puis tombe faire des blousailles. Comment haïtien faire venir des blousailles comme ça connia? Où la technologie ça leader haïtien net oui. Il y a des gens qui sont en contact, vous pensez mouche, oui, là, il va lire. Tenez bien, la police dans la grande danse qui prend la décision pour nettoyer la ville là. Eh bien, jodi, ayer, yo fouke nèg, jodi encore, yo fouke vagabond. Parce que agent SDPJ ak Udmo dans la grande danse, yo débarqué dans la zone La Saline, qui sont en bas pour di Marseille estimé à. La police a le metté maintenant pas de cassav yon certain Jonas Lapierre. Monsieur se youn nan nèg exam, la police ta bousqué ça fait longtemps. Selon premier élément information nou jwenn to sa gen 32 l'année sous tête li timoun ayè. Nan même coup de filet ça la police mette en bas code Wilner Seyus qui gen 32 l'année également. Monsieur sorti la Tibonite. Se youn nan nèg selon sa kap di a te a ki pa pote kansol pou bel twel. Pou koun ya de monsieur sa yo, y ap repon question enquêteur SDPJ yo nan commissariat Jérémie. Eh ben sa k passe, c'est que sou même dossier sa, écoute, a enquêteur SDPJ yo ki nan commissariat Jérémie, selon information que nous joignent, il y a un pile causé qui t'a parlé sous Kazek là. Parce que vous continuez à poser question avec nom Yote Fouquet. Monsieur parle causé. Monsieur explique justement que la police, il y a un bon genre rapport à Kazek là. Ça veut dire si vous avez une enquête qui t'a mené sous affaire gang
Iso, nèg ti la pli au bout de bas, Chris la tout nèg yo. Ça arrive au joint petit détail parce que t'assemblé monsieur gen activité et le nèg yo détourné camion marchandise yo. T'assemblé justement c'est monsieur qui écoulait marchandise yo parce que le gen les gen entreprise. Alors m'a parlé selon ça que présumé bandit ça li di ak la police. Selon information que nous joignent. Donc t'assemblé nèg yo ta gen une relation entre yo. Donc nous pas connaine par là, nous par là. Ça veut dire que et ça te fait depuis même jour yo fouke Kazek nous n'a pas gardé la Jocelyn, monsieur n'a gardé vu Jérémy. Gen parole qu'a parlé à terre tout parce que substitut commissaire gouvernement qui c'est Renaud Pétion. Monsieur gen l'air gen ti bagaille qu'a parlé en bas comme quoi t'a gen des marches qui t'a fait de côté lui pour t'a libérer monsieur rapide rapide. Mais grâce à vigilance nouveau directeur départemental police là, commissaire divisionnaire France Saint-Amand, commissaire gouvernement Jérémy Angelé, eh ben pas mettre Kazek là dehors. Ay un petit crasse mélangé papa. Parce que ba yo mélangé, m'a regardé là gagne tout autre les Jonas là. Monsieur en bacon. Hein, monsieur tranquille, monsieur posé, monsieur dou. Et monsieur dou, ça veut dire mi nèg ça yo dit mon chapeau opéré dans zone là saline route 9 pour river Jebo. Donc c'est monsieur qui a frappé. Malheureusement, il y a un jeune garçon qui mourit selon tout élément information monsieur son nèg qui mourit innocemment parce que monsieur pas bandit. Monsieur relé, il y aurait les monsieur Metelus tel bagage. Donc jeune garçon ça monsieur mourit c'est un échange de tir entre la police et bandit dans zone la saline. Monsieur t'a semblé prendre balle dans poitrine gauche. Donc bah y a un petit crasse mélangé. Je pense que gagne inspecteur Alex de Gagneur qui bat un point de presse sur le dossier. Hein? Et je pense peut-être Nathan Deli. Bon, moi, si je vais faire un temps d'extrait. Et rapidement, avant d'aller prendre un milieu pour capable commenter l'actualité. Donc, Jérémy, bah un petit crasse mélangé. Et si population n'a pas collaboré rapidement avec la police pour freiner des rives, ça qui arrive dans le jour qui a venu là, yo, l'on pense que c'est là mon bras manger Jérémy, alors que c'est nèg exam qui prend contrôle zone. Nous souhaitons que nous vigilants, que nous assumions responsabilité parce que ce n'est pas normal pour tout département dans le pays, il y aurait été territoire perdu, pour toute ville dans le pays, que moun te ka aller relax ou là-dedans, yo, pour ces bandits qui ont contrôlé. Donc là, ce n'est pas normal et nous souhaitons justement que l'autorité, responsable, yo continue le travail. Mais population civile, hein, li doit assumer responsabilité pour collaborer avec la police, parce que li pas normal pour que bandit décide prend toute zone, contrôle tout côté. Et me pense que directeur police dans grand danslan, monsieur décide lui-même pour agir autrement, parce que monsieur estime zone ça, bandit pas capable retourner. OK? En nous aller bon regardez bon moi son ali pas monté m'ta baisser ouais si m'étais capable rapidement et faire entendre intervention responsable là mais m'ai difficulté pour son à monter rapidement sous téléphone dans là et ça te fait nous pas gain temps pour nous tendre son ça rapidement bon regardez pour moi non mon gain temps tellement relé sous téléphone là il vient difficile pour que son ali monte rapide. Bon, regardez, pour moi, si vous avez fait une intervention, eh bien, porte-parole police là dans Grandance, qui c'est le gagneur. Bon, regardez, pour moi, non, je ne peux pas joindre son an, il n'est pas monté. Bon, regardez, si vous avez fait une même si vous n'avez pas fini au Dibnet. Salut à tous les amis, la presse parlée, écrite, en ligne, qui est présent jeudi avec nous dans le cadre de point de presse spécial ça. Et dans le cadre d'opération que la police mène jeudi 13 juin 2024 là, dans Kafoujebo, zone La Saline. Nous avons rappelé que en avril 2021, il y a un groupe d'individus armés sur plusieurs motocyclettes qui étaient dans la tête de Jonas Lapierre qui attaqué sur route Ravine Blanchelan. Il y a un véhicule qui était dans la tête de plusieurs religieux avec religieuses côté de avec salut tous les amis. La presse parlée, écrite, en ligne, qui est présent, je dirais, avec nous dans le cadre de
point de presse spécial ça, et dans le cadre d'opération que la police menait jeudi 13 juin 2024 là, dans Kafoujebo, zone La Saline. Nous rappelons que en avril 2021, un groupe d'individus armés sur plusieurs motocyclettes qui étaient en tête li, Jonas Lapierre, était attaqué sur route Ravine Blanchelan. Un véhicule qui était là-dedans, plusieurs religieux avec religieuses, côté littéral, les armes du chauffeur, côté forcé le camper. Mais le chauffeur n'a pas campé, au contraire, il était accéléré et du même coup, il était relayé la police qui n'a pas pris le temps pour intervenir. Malheureusement, Jonas avec quelques acolytes qui étaient retirés pour lui, même avant, la police était arrivée. Pendant le temps, il était tout jeté, un fusil et moine, et que la police était allée joindre quelques temps après dans un jardin. Mais la police, dans la même occasion, a arrêté plusieurs noyaux. Depuis le ça, la police a mené bon genre enquête dans l'idée pour te joindre information pour te procéder à arrestation M. Sayo. Après filature, SDPJ avait localisé matin jeudi 13 juin Jonas Lapierre qui gagnait 32 l'année. Il a localisé dans Kafoujuri, localité Jebo, et qui est située dans l'entrée de Jérémie. Sans prendre temps, direction départementale, police Gandaslan, qui gagne en tête les commissaires divisionnaires et France Saint-Armand, et disjoncté un contingent policier dans la zone. Dans le moment policier est arrivé, et Jonas n'a pas hésité, lagué une moto à Audine, couleur grise, 110 cc, l'été sous lui, il n'a pas hésité, lagué la terre pour l'été pourri. Et pendant la courant, il t'a tiré. Voilà, malheureusement, m'pas joindre tout extrait, mais c'est une idée, donc, dans l'intervention, ça, à côté que, bilan, la police t'a rapidement présenté encore une fois dans l'agredance payant, côté où décidé pour attaquer tout vagabond qui empêchait ville à fonctionner. Et moins quoi, je dis, nous besoin, ça y est, depuis son série de nègres qui pas, tranquille, qui pas posé, qui viennent faire des autres dans le département, yo. Que responsable yo justement prend mettez cancer dans ta yo pour yo prendre responsabilité yo parce que c'est pas tout côté pour que bandi yo à l'aise faut que nous dé à l'aise bandi yo dans pays ya. On a le point premier ami en ligne sous 97 on a dit bonsoir et bienvenue. Allô? Allô, bonsoir Ariel Deluz. Bonsoir Frem, comment yé? Eh bien mon cher, on est là, on tient. Et si on n'a pas jamais entendu me reler dans l'émission, je suis toujours là. Je suis toujours en bas de toute émission, honnête. Et je dis, juste à faire trois points, je vais prêter en pile parce que je connais les déjà pas rancé. Premier point, c'est le port Bête du Mellan qui est dans Saint-Louis du Sud. Et ça, c'est une urgence liée. Il va falloir que le ministre commerce là mélange avec le ministre intérieur, qui c'est M. Gary Conille, pour arranger pour que pour ça ouvre le plus vite que possible. Et puis, pas oublier que nous-mêmes, tout dans le département sud, nous gagnons un terminal gaz. Tout. Pas oublier ça, Ariel Deluz, parce que nous sommes obligés de dépendre de Port-au-Prince pour que nous gagnions gaz. Nous avons un terminal gaz qui était dans le département, qui n'a pas fonctionné. Comme moi, ouais, léger, et pas de parler de ça. Bon, comme c'est pas de question à ça, c'était question à c'était réouverture pour là, ou bien ouverture officielle pour là. Il va falloir que gagne une synergie qui mette, faut que commerçants qui dans grand studio mettent tête ensemble pour dire oui, yo veulent pour avoir faut que l'ouvri et faut l'ouvrir. Et puis question pour y parler de maître Ketnor Estainville qui c'est responsable délégation dans le département sud-lan, il va falloir que Gary Koné commence à penser pour remplacer monsieur par un qui est plus ou moins compétent. Et puis tété on pourrait que ou habitué fait si route ça déjà descendre allemand je poisson bon là mais pour saluant frère question route pour saluant et bien regrette que Kenol Mathieu qui c'est nèg macabé passé comme directeur ministère travaux publics jusqu'à ce que monsieur vienne pas rien là encore monsieur pas jamais fait aucun effort justement pour que yo te refait et tronçon route ça qui c'était une belle route que CNET fait sous Préval et pour sortir au caï pour arriver pour saluer ou t'es qu'à aller à pied s'il le faut moun yo marcher sur bicyclette pour venir et ben qu'on y a Ariel Deluz m'a bon menti sou pa gagne un gros 4x4 nan mon zanmi m s'est tombé levé gros trou et sorti de ma pou pour arriver et m'a bon menti bon la ravine ou yo tout collé pa gagne route encore du tout frère
Ils sont obligés de faire l'autre route pour passer à Carrefour Boyer pour aller sur l'autre côté, blocus, pour la ravine à secouer, ils finissent de voler tout le boulot dans le pont, pas ça terrible. Et puis ensuite, mettre Ronald Richemont, mettre comment se chercher son côté pour chercher l'autre job, pour l'autre bagarre, et puis ils ne peuvent pas en révoquer monsieur comme ça. Parce que faut que vous mettez Ronald Richemont au côté pour machine pas frapper, parce que je peux monsieur bail explication sur disparition journaliste Garites. Merci. C'était pas prêté trop, et c'est ça seulement d'Abdine, je vous remercie, et puis, et n'a continué à suivre vous, n'a suivre toutes les émissions. Merci en plus. Merci, merci infiniment. N'a continué à prendre Zamio en ligne. Entre temps, faut me signaler qu'il y a une situation panique au niveau Sodo. Et alors, dossier Sodo a remarqué, je ne vais pas parler sur lui. C'est parce que tellement il y a des complications, il y a des confusions. Dossier Sodo a trop politique, alors qu'en réalité, il y a une pile des autres qui ont fait dans la ville. Même on y a vu politiser tellement de dossiers, ça vient mettre dans une situation d'inconfortabilité pour traiter en information parce que tout le monde a géré ti équipe payo alors que Sodo c'est pour tout le monde petite sodolier donc si nous pas mettre tête ensemble pour nous gérer vilain et me penser le pas normal par exemple c'est vrai qu'il y a un cap dit qui pas gain évidence pour yo parce que moi pas parler un sujet puis me pas gain élément pour ça me pas gain évidence pour me corriger ça me dire donc avant m'accuser un tel me citer non un tel faut me gain garantie que faut me gain au moins des éléments d'information qui prouvait que un tel cité Nolan effectivement il était impliqué dans tel ou tel dossier. Donc là c'est là bah un petit crasse mélangé. OK. L'autre bagaille c'est que moi t'ai signalé ça avant hier, même dans cas d'arrestation t'ai fait sous Edian, côté que m'a dit monsieur Utagio, moi pensais que faut nous gérer question ça parce que le nous agent Utagio, nous pas responsable commissariat Sodo. Donc commissaire qui est responsable. Donc si gen un monde nous arrêté justement premièrement, commissaire là qui est responsable commune dans les supposés au courant de ça qu'a fait, si gen saisi qui fait faut nous connait pas mon cap dit ou te joine si ou te joine ça lorsque nous pas capable un rapport détaillé et pour e balance c'est que nous pas venir pour arrêter pour nous kembe dans espace. Nous si n'arrête un monde, n'a pour remettre li à la justice. Vous comprenez? Donc unité ça son unité qui là pour venir faire intervention, mais certaines fois nous agit nous aller en dehors de ça nous gagner comme mission comme responsabilité donc son la police qui gampile des ordres et si bah ça va pas traiter et ça fait moi penser directeur général qui a venu là justement faut qu'il ait capacité pour comme si mettre l'ordre dans les ordres comme si il est trop laissé aller dans police là. Tout nèg fait ça ouvle, on inspecteur, etc. Li pense le super chef, li pas respecte un commissaire pas respecte un inspecteur, un agent 2 pas respecte un agent 3, un agent 4, qui donc grade yo pas respecté, hiérarchie pas respecté au niveau de la police, et c'est effectivement c'est catastrophe, et m'pense que faut gérer question ça. Mais m'a dit moun Sodo, attention, faut nous intelligent, faut nous vigilant. Par exemple, regarde image. On équipe Timoun l'école, nous prenons maintenant la rue, comme quoi, qui a fait manifestation, etc. Bon, on pense que Timoun l'école, ça yo, yo kapman des professeurs dans sa classe, mais yo pas kap manifester, n'a fourré dans le dossier politique. On pense que li pas normal. Si n'a pris les affaires, nous, les affaires, nous pas entrer Timoun l'école, yo la dedans. Et le ça, li pas normal. Donc, moun Sodo, gérer question ça, gen en pile question, bagay affaires, etc. Donc politique nèg qui besoin poste nèg qui besoin remplacer magistrat qui là bon ça bien Sodo rien si oui que fait Sodo et comment relé bail ça vierge miracle et pas ça c'est seulement fait ça bien Sodo et qui paraît comme une gros activité mais Sodo son petite ville qui là qui pas gagner là dans le sérieux. OK donc mais gon bataille là m'entendez nèg qui besoin vide magistrat nèg qui besoin député nèg etc. qui a pensé pour sénateur sur plateau donc vinn gon bataille politique clan sa bataille contre équipe ça on met li melon spaghetti bien Sodo et me souhaite mon Sodo comme si vous pensez bah, mon Carmel et yo dit c'est mon Carmel oui fait Sodo ça veut dire que me souhaite mon Sodo yo prend responsabilité yo pour yon pas me rentre dans politique sale, tête en bas, sans comprendre, et puis pour bandi envahir Sodo. D'ailleurs, nous songe que justement, et qui sa bandi fait Sodo déjà. Donc si je dis à nous diviser entre nous, sous base n'a fait politique sale, et me pense li pas normal. D'ailleurs, nous quoi magistrat Sodo, c'est un monde qui victime déjà. Nous boule Kaili, nous font paquet de bagages, etc.
Donc là, je pense que ce n'est pas normal. Et ça fait qualité politique sale qu'a fait Haïti. À moi-même, papa, nous ne pouvons pas venir là dans le peuple. Vous comprenez? C'est politique chercher manger. Et puis, j'en ai fait le sale. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas dans le papa. Bon, moi, l'autre ami en ligne, je dis bonsoir et bienvenue. Allô? Bonsoir, docteur. Comment est-ce? Eh bien, nous, là, on a fait j'ai foi et vous-même. Comment est-ce? Eh bien, mon cher, pas bon même. Ça te passe où? Je ne peux pas dire l'eau déjà pour bagage Cameroun de là. Mais avant de dire, moi, tout dit, n'est pas engagé Tété. Il est engagé Jean-Roland Augustin. C'est moi-même qui a dit, c'est pas Tété qui a dit. C'est moi qui ai Tété pour me dire, ça m'a dit. Il est engagé Jean-Roland Augustin. Ok, Jean-Roland Augustin, c'est ça qui passe où? Madame, moi, qui a tué, je connais bien Life Assurance. L'hebdo, même radio, sous pour chrome, il prend radio, il parle bon radio. Qui cause ça? Eh bien, c'est quand on va vivre? New York. New York. En chèque, ma boumé, depuis après l'hebdo, ça, là. C'est bagay. La justice, tribunal. Voilà. Voilà. Eh bien, frère, non, moi, font premier. Il faut que tu l'aimes parler. Yo, font bagay, même dans l'hiver. Aïe, mon cher, je pas caché d'où, mon père, yon premier, et c'est dans le tribunal. Yon changé nom, yon changé index nombre. Index nombre, c'est numéro ou gagné sur papier. Yon changé le. Parce que gosse de l'argent, parce que le gouvernement involve dans le dossier ça, yon parle le gouvernement là-dedans. Mon cher, chaque fait mouri l'eau, mon sujet à mouri. Yo elle c'est plusieurs fois des ou pas gain petit ou pas gain petit encore petit tout bagay depuis mal la mbawé yo mais relé ou pas venir droit yo fait boucho yo pas venir côté m'a mourir m'a rete non caille ca la gain problème ah c'est pas dossier personne mon ça bon met ca la venir moi c'est ca là mais ca la mandé m'ca là m'a dit OK. Ma bon kaila, mais wa bon mon papier pour me bay autorité pour me faire connaître kaila trop petit pour moi. Parce que moi, j'ai deux petits mouns qui sortent à Haïti, c'est petit frère, yo ensemble avec moi. C'est petit mouns qui fait ma mourir, déjà. C'est mouns qui protège, parce que yo vini, mettre kaila vini, le frapper pour ça, faire l'audience, mettre petit mouns de yo, bay kaila. Moi, j'ai dit, mettre kaila bon mon papier pour me poser aller. Mais quand j'aime bien pour mal en côte, ça crée ma bille, parce que déjà, je suis nous et ça crée ma bille. Je suis pour mal en côte 25 mois ça, encore. Mais pas qu'à entrer mal en criminel côte, parce que pour action criminelle, madame ne fait son moins, pas besoin d'opération, donc tu fais opération. Ok, bon. Tu vas y mettre pour, va y mettre pour 3 mois. Pour retirer Bagala pour 3 mois, mais quand j'aime 25 ans avec elle. Je ne pas qu'à dominer une nuit. Non mais bon, non même saute ça ou pas gain petit à coup ou pas gain l'autre famille moi avec grand seulement papi oh moi grand seulement et ben mélangé et mais c'est sacré ou pas gain l'autre famille qui attendait ou qui bagaille ça dit ou pas du contou mon cher pas caché de nous connaît bagaille la tête faite mes amis qui avaient nos amis la gueule oh bayon Yo paye pour madame pas tuer yo. Yo paye pour madame pas tuer yo. Non, ça, ça c'est un dossier tribunal. Ou pas vivre à Haïti d'ailleurs, ou aux États-Unis. Ah, mais, non, 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 ici, pas même j'ai Haïti. Donc, si effectivement, ça va dire qu'il y a un élément qui a prouvé, un avocat qui a aidé à traiter ça, parce que. Avocat. Tout le monde est l'avocat pour bon adresse ça. Secrétaire qui travaille avec avocat par repasser avocat. Non, on va chercher un autre avocat et bon seul. Bon, je dis à la passe sec couteau. Moi si je viens de les moi je parle avec eux et puis me dire comme ça que son cas criminel est-ce qu'il y a prendre. Je dis OK, il va prendre est-ce que nous ca référer. La bande me qui l'âge et puis on demande à jouer. Et donc, avocat va porter ça.
Bon, en tout cas, bon, dossier ça, vraiment, ouais, les anticras, c'est compliqué parce que c'est avocat qui a aidé. Bon, c'est sûr que je pensais que, pardon, on parlait là, il y a des gens qui sont capables peut-être de tendre. Et bon, qui sont voulu faire? Vous voulez bah, un contact si on moun qui c'est avocat qui a suivi, qui t'a ramené de bon consultation pour faire les? Je vais faire contact ou t'étais. Parce que gens qui ont moi-même pas responsabilité hein, parce que qu'on y a contact. Non, c'est pas responsabilité, non, c'est pas responsabilité les avocats relé ou est avocat vraiment et puis on met ou t'as carré en tout cas si bon moi pas gain numéro là parce que t'as pilote sous non m'a demandé si gros ami là c'est avocat mais qui capable au moins aider dans cas ça. Écrit était dit ça et puis si justement il y a une possibilité pour nous faire contact là pour bayo et parce que là son dossier avocat ou comprendre ça m'dou et me penser que là faut gain suivi capable faire dans dossier ça en tout cas ben nous pas qu'à continuer non là merci en pile parce que là bayo mélanger fond pour l'autre ami pas de problème tété mou content me nous après-midi a merci oui et puis parce que ça me devait de quoi si mouri. Vous connaissez qui est-ce que tu aimes? Qui est-ce que tu aimes? Parce que même reste vous comme madame prend radio. Bon, on connaît son radio. Non, on va pas dire non madame, on dit madame. Adou. Madame elle est Clotilde Bertrand. Rete. Clotilde Bertrand. Comme l'hypothénome, parce que même divorce m'a gon avec depuis l'année dernière pour que divorce moi va le faire. Combien de monde nous gagne ensemble? Nous gagne 3 timons. Et mais qui ça timon yo dit dans casa? Ah, bon tout la game. Non, mais les petits si là. Depuis l'année dernière. Gon ou pas moule, c'est pas papa. Mais sous son bon papa, tu moule à la gogo. Oh, mes amis. Mais non, on connaît la magie. La magie. On gagne, créé tout comme la vie. On fait tout ce bagage pour moi. Il dit, chaque maou là, à la gogo. Dis mon cher, c'est bon de seulement qui à la game. Ah ben, bah, yon pile. Eh ben, merci en pile, oui. Et monsieur Roland, va ça, Roland Augustin. Voilà, vous avez regardé, 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 vous avez pas de problème, merci en pile, merci en pile. Voilà. Bon, et ça m'a dit non, Chaïté était en pile, papa. Eh ben, n'y a pas ces blagues qui là. Chaïté était en sous d'Oli, ils sont pas graves, oui. Allô? Allô? Frère, comment? Comment là, c'était vous-même? Eh ben, nous là, oui, la fait, j'ai faux. C'était M. Souhaité, vous pouvez avoir encore un peu de courage, vous ne pouvez pas faire de courage, parce que tout ça, il y a un moment, et tout point. Tout côté de vous passez, vous n'avez pas de crasier à un moment et tout. Vous venez de l'éducation là, ça te fait plaisir un peu l'autre main parti ça. Non, mais. Non, qu'elle saute. Non, qu'elle saute. Hein? Qu'elle saute, oui. Ça passe. Ah, ben, bon. Moi-même, plusieurs amis signalent, ils me l'ont dit, malgré tout le palo, t'as parlé en pile là, bon, et baron là, qu'elle m'a sauté tout. N'est-ce pas ni gâteau là, pire de sous nous? Gare, on pense que vous êtes plus sérieux, oui. C'est la jouette. Oh, pas moi là. Mais métro d'homme blague là. Moi, je pense que c'est blague qui t'a fait mal checker pour moi. Plusieurs amis signalent. Malgré moi, métro d'homme écrit. Bon, je lis pour nous. Alors que tout le monde t'a battu nomination Madeleine Fils-Aimé comme directeur cabinet PM Koni, PM n'a créé une surprise. Monsieur nommé Nesmi Maniga dans le poste là. Pas yon arrêté monsieur Sien Jodia de plus. Selon information, il y a 4 autres arrêtés qui s'y sont. Il y a Camille Edouard Junior qui vient secrétaire général primature. Il y a Joseph André Gracien Jean qui vient comme ministre chargé des questions électorales et de la révision de la Constitution. Il y a Marie-André Chantal qui est désigné comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes de l'administration publique. Il y a Erwil Gaspard. Ah, monsieur T, l'autre bois, dans le consulat, l'autre bois, qu'on a monsieur nommé ministre délégué, bon côté pour le ministère qui chargé solidarité des affaires humanitaires. Vous saisissez? Non, même gars, vous êtes là, pas gagné, c'est que vous avez fait. Téguel. Oui. Quand vous essayez de vous, monsieur, vous commencez à mettre à chiffre là-dedans.
Premier réaction, vous êtes sérieux, monsieur, vous êtes sérieux, vous êtes combattre la corruption. Non, monsieur, dit. Mais vous savez qu'on quitte Ghana s'il y a fait dans l'argent, dollar 50 l'argent qui bagaille sa coca, qui bouille là. Ma tourne demain, ce qui achève là, lila, lila. Eh bien, pas un problème. Eh bien, t'es réel, mon cher, ou t'es bien moi, parce que les gens qui font de plus moi. T'es réel, c'est éducation, même négocrasé. Je veux dire, qui vient pour l'État sur ça. L'État va qu'on a un ça. Avant de parler, Sagari Konifela, il prouve que, encore une fois, Michel Martelly est au pouvoir. Où mettre Vincent? Non, c'est clair. Et quoi, c'est même éducation ça négocrasé, t'es réel. Qui vient pour l'État sur ça, l'État va qu'on a un ça. L'État qui pas qu'on vole ça, l'État qui pas qu'on est autorité de l'État, ça c'est l'éducation même négocrasé qui fait qu'il vient voler l'État ça. T'es réel, pour négocier l'État sur ça, vous avez fait négocraser l'éducation comme vous crasez l'autre, t'es réel, l'on est composé dans le baccalauréat. Résultat, c'est Radio Nationale qui te qu'on baoule. Ça veut dire que depuis que nous passons dans le baccalauréat, ou qui te connaît, c'est pas papier à négocier le mouton pour négocier. Je veux dire, là, on pour pas qu'il y qui pas même des certificats. Je ne pas bien baccalauréat dans le monde. Pour que ces structures politiques de la situation, quand le ministère qui prend pas bien mal, ou bien lui mettre l'argent dehors, il achète pas bien baccalauréat. Ça veut dire que depuis qu'il pas bien la main, il vient pour, il vient de n'importe poste. Mais longtemps, il a dit pour qu'il y ait bon nègre. Pour pas faire, pour pas passer baccalauréat, pour qu'il n'y ait pas bien baccalauréat dans le monde. Eh bien, par contre, si c'est le gouvernement à l'issue, par contre, qui est le gouvernement qui fait ça, couler. Et résultat partiel baccalauréat, yo, n'est-ce que tiré résultat ça dans la radio nationale? Pour le baccalauréat, qui moun qui passe dans le baccalauréat, ou pas qui moun qui va passer? Couler là, puisque n'est-ce que la limite, l'eau descend le baccalauréat. Couler de beaucoup de noms, et le bon année, et ou après nous, n'est-ce quand même, qui te composé dans l'eau là pour faire botter plat. Et n'est-ce que tu me fais ça en pile de gueule de vis. Depuis n'est-ce que tu vas composer dans le baccalauréat, du résultat pour le bail, il y a des cassettes. Vous mettez plein la radio pour registrer les résultats au bout de résultats de non. Très certain pour la préparer, les comptes sont faits. Même maman, n'est-ce pas, papa, n'est-ce pas, à l'école, il a chanté tout pour qu'il enregistre les résultats pour le temps de nos petits qui a passé. Et bien, pour ne pas avoir l'état sort, pour ne pas avoir l'état vacuné, il a retiré les résultats, ça, les résultats parce que la radio nationale de Kounbaï là, il a retiré, tout le monde fait baccalauréat, tout le monde descend baccalauréat, tout le monde va bien. Depuis que l'argent amène, le ministère, il y a un papier. Et puis, on a dit, l'île là pour l'occuper n'importe quoi sur le pays. Et tout le monde sait où est, qui dans l'État, aujourd'hui, 75% c'est Aristide qui mette. C'est militaire. Militaire politique, c'est réel. Aristide lui-même qui était besoin de l'État, pourquoi tout militaire ça, même la Kenego va dire papier certificat, il crée moyen, tout le monde sait un papier, et quand il met tout le monde sait où il y a sur le pays. Eh bien, c'est même là que ça qui va couler dans l'État, qui va consacrer les autorités de l'État, qui vient faire poste à l'État, je veux dire, qui l'a dit l'État, bah, tout le monde fait ça ouvrir le pays. C'est même l'éducation négocrasée. Parce que nous, t'as voté qui pour te jouer dans l'État. Faut te faire carrière, faut te faire connaissance, faut te construire faire. Mais je dis à tes élèves, en cherche pour nous, combien élèves universités qui sont dans l'État, je veux dire. Ou pas même ça? Tous ces militants politiques, je veux dire, on garde grâce à Delva député, grâce à Delva sénateur.